Maintenant que la phase de groupe est terminée, les choses sérieuses commencent avec ces huitièmes de finale. Tout faux pas est désormais interdit. Donc il va vite sur ce côté. C'est bien conserver sa lucidité maintenant. Le coup de sifflet, ce sera une faute. Et ça démarre fort, voici le premier carton du match. Les joueurs auront beau contester, l'arbitre ne reviendra pas sur sa décision. Quelle occasion, ça aurait pu faire mouche. Yarmolenko. Il joue dans l'espace. Stepanenko, il a de l'espace. Griezmann. Il cherche un coéquipier dans la profondeur. C'est bien fait ça. C'est un corner pour eux. Attention, il y a des bons joueurs de tête qui sont montés. Il tire. Oh, ça se joue à rien. Oh là là, pas de bol, ça passe juste à côté. C'est dommage, mais il faut cadrer à tout prix ce genre de frappe. C'est vrai qu'ils ont laissé filer quelques occasions en route, mais il faut reconnaître qu'ils montrent beaucoup d'envie sur le terrain. Je pense que ça va leur réussir tôt ou tard. Et le 6 mètres directement sur lui. La Saladiera. Voici Giroud. Evra. Ils ont pris l'ascendant dans cette rencontre, mais pour l'instant, ça ne se reflète pas au tableau d'affichage. C'est vrai qu'ils sont bien dans ce début de match. Ils ont déjà quelques tirs à leur compteur et ça pourrait bien finir par payer. Touche. Kusiev. Sélézlev. Va-t-il en profiter? La Saladiera. Timotchouk. Yarmolenko. Le voilà servi. On joue depuis un quart d'heure dans la première mi-temps. Et on attend encore le premier but de cette rencontre. Griezmann. Matuidi. Evra. Il concède un coup franc. Ses coéquipiers qui se rassemblent autour de lui, ils ont l'air inquiets. Evra, il n'a pas hésité, c'est propre. Stepanenko, une petite faute là. Il file vers le but. Oh, la grosse occasion. But pour la France. Et c'est le but. Non mais quel sang-froid, il est allé au bout de son action pour marquer un but fabuleux. Et il marque les premiers, oh qu'il est important ce but. Ils n'ont pas tremblé pour cette grande première. Ils ont repris leurs bonnes vieilles habitudes. Il file dans l'axe. Yarmolenko. Tout seul.
Ça passe à droite. C'est joué long, attention. Stepanenko reçoit le ballon. Il joue dans la profondeur. La passe est précise. Là, il peut centrer. Et c'est intercepté. Attention à cette passe lobée. Encore une bonne intervention. Alors qu'on s'approche de la demi-heure de jeu. Timotchouk. Goussiev. Il est sorti du jeu. Pogba. La défense bien présente. Sagna. Griezmann. Bien joué ça. Et le gardien peut se saisir de ce ballon. Quelle solidité, bien joué. Evra. La Saladiara. Matuidi. Oui, ça pouvait être dangereux. Il fallait impérativement l'arrêter. Encore une bonne intervention. Stepanenko. La défense bien présente. Giroud qui a su, on l'a vu, tromper la défense adverse. Et le danger est écarté. Et oui, il faut coup franc. Oh là, c'est chaud, quel tacle! La passe est précise. Il peut tirer! Le but, magnifique! Et ça va au fond des filets! Retour à la case départ. J'espère que le match va être encore plus ouvert maintenant. Mais vu la situation, c'était obligé de se terminer comme ça. C'est très très bien joué là. Il savait exactement où se placer pour attirer ce ballon. Et ça repart du rond central. Égalité parfaite. Et voilà, ils ont égalisé. On va voir maintenant s'ils gardent cette dynamique. Matuidi lève la tête. Il cherche un appui. Voici Giroud. Ça peut faire mal. But pour la France. Et c'est dedans. Et il passe devant. Il a mis toute sa puissance dans cette énorme frappe. Quelle puissance, c'est merveilleux. Allez l'arrêter celle-là, tiens. Deux buts déjà dans ce match. Avec un but d'avance. Timotchouk. Goussiev. Sedeznev. Il joue dans l'espace. Il glisse le ballon en profondeur. Passe interceptée. Ça ne passe pas. Martial. C'est la fin de la première période. Certains joueurs ont l'air fatigués. La pause va leur faire du bien. Trois buts en première période, mais ils sont menés 2-1.